Déjà, à l'esprit, il ne faut pas s'énerver. Si dès qu'on est énervé, on va tout gâcher. Nous sommes restés concentrés. On sait qu'on avait des minutes encore pour revenir au score. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes restés calmes, professionnels. On a essayé de pousser jusqu'à obtenir ce résultat final. Alors, on sait que le Burkina avait quand même offensivement des attaquants et tout ça. Vous, en tant que gardien, qu'est-ce que vous avez craint? Qui vous avez redouté? Comment les choses se passaient? J'ai redouté personne dans ce match-là. J'étais plutôt focalisé sur mon équipe, sur la tâche défensive, parce que vu qu'on n'était pas trop solide défensivement dans les premières minutes, on a su bien gérer. On a juste pris le premier but qui a failli nous perturber, mais nous sommes restés sereins. Déjà, il fallait communiquer beaucoup avec les défenseurs, vu que c'était ma première fois de jouer avec un match officiel. Voilà, il a fallu que je communique beaucoup avec eux pour pouvoir maîtriser le sujet. Alors, c'est vrai que c'est votre premier match officiel, mais Sangara Padra Lee est régulier en sélection. Quel est votre petit secret? Quand je viens en sélection, je me suis toujours donné à fond. Même si je n'ai pas eu trop de chances de jouer, je me suis entraîné pour pouvoir jouer. Je me suis entraîné pour pouvoir être prêt le jour où le coach va avoir besoin de moi. Et je pense que c'est mon petit secret qui est là. Il faut toujours s'entraîner à 100%. Même si on ne joue pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le plus important, il faut être prêt le jour où on dit, on te donne ta chance, il faut la saisir. Le prochain match amical, c'est devant le Ghana. Ce match-là, comment vous le prenez? Comment vous le voyez? Deux styles, ils sont différents du Burkina. Comment vous voyez ce match-là? Je pense que c'est un match comme les autres. Il ne faut pas trop s'affoler. C'est un match amical, mais là où nous sommes arrivés, il n'y a plus de matchs amicaux. Il faut toujours être serein, il faut toujours aborder comme si c'était l'éliminatoire Coupe du Monde qui commençait pour nous. C'est un match de préparation, un bon test encore contre le Ghana. Il faut être présent au jugement.